Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats du dimanche 5 juin en vide-grenier. Alors nous allons commencer tout de suite par un petit bus majorette. Très joli modèle. Il est complet. Il lui manque tout simplement un rétroviseur ici. Mais sinon, dans l'ensemble, il est superbe. Et de mémoire, je l'ai acheté 1 euro. Et voici pour ce premier modèle. Nous allons passer tout de suite sur les gros modèles. Et on passera sur les miniatures juste après. Alors j'ai trouvé ce petit camion Solido. Avec sa remorque. Les déménageurs bretons. Il lui manque simplement les portes arrière. Sinon, dans l'ensemble, il est assez propre. Ah non, je viens de voir qu'il lui manque une rampe de roue à l'arrière. Mais je devrais réussir à trouver ça. Voici pour ce modèle. Ensuite, j'ai trouvé une petite remorque qui est complète. J'ai été fouillé dans ma caisse à camion et j'ai trouvé ce petit camion. Si j'arrive à revoir la marque. Majorette. Ce joli petit camion Majorette, petit Mercedes. La remorque, elle n'a aucune marque, mais ça fait un très bel ensemble. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les jantes sont identiques. Alors c'est peut-être un Majorette, mais il n'y a aucune marque dessus. Et voici pour ce beau petit ensemble. Ensuite, il y a ce sac, mais je vais le garder pour une deuxième partie de vidéo que j'ai acheté 6 euros. Je n'ai même pas marchandé puisque j'ai vu qu'il y avait quelques belles petites pièces à l'intérieur. On verra ça en deuxième partie. Alors nous allons continuer avec une petite remorque. Petite remorque 6Q. Aucun véhicule. Mais dans la vidéo précédente, j'avais trouvé une petite Jeep. Et il s'adapte. Impeccable. Va être trop court. Si je le mets là. On verra quand même mieux. Alors, aucune préparation. Et voilà. Avec la petite Jeep, il n'y a plus qu'à y trouver quelque chose pour mettre derrière. Et pourquoi pas un petit hélicoptère. Alors, petit hélicoptère Majorette. Avec ses trois pales. Petit hélicoptère Gazelle. Complet. Très joli. Un peu. Je vais te bloquer ma mise.
Et voilà. Très joli modèle. Hop. Et comment il se replie? Comme ça. Et comme ça. Parfait. Et j'en ai un deuxième. Pareil, parfait état. Safari, c'est tout ce que j'arrive à lire. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Et voici pour ce modèle-là. On va laisser comme ça. Ensuite, nous allons passer sur les miniatures. Alors, nous allons commencer par une petite Porsche. Petite Porsche Turbo que tout le monde connaît. Assez propre, tempo est là. Les ouvrons. Les portières comme d'habitude. Mais ce modèle-là, je crois que je l'ai déjà. Et voici pour ce premier modèle. Nous allons rester sur les sportives avec une petite Lamborghini. Petite Countach. Sans aileron. Elle a du jeu. Elle a joué celle-ci. Ensuite, une petite. Rien de marqué, c'est une petite Hot Wheels. C'est une nouvelle lampe que j'essaye, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu trop puissante. Et voici pour ce modèle. Encore une petite Lamborghini, une petite Diablo. Pepsi. Et voici pour ce modèle. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, sinon on va être obligé de faire plusieurs vidéos. Alors une petite majorette, une Peugeot 206 CC. Qui a un peu souffert, le pare-brise qui se décolle, démontant. Et voici pour ce modèle. Une petite Hot Wheels, une petite Ford Escort XR3. Ce qui est une année dessus. 1982. Petite Hot Wheels. Très joli petit modèle. Ensuite, une petite Jaguar XJ6. Il manque un montant, l'autre se décolle. Et voici pour ce petit modèle. Une magnifique Hot Wheels.
Firebird. Elle est sortie de sa boîte, celle-ci. Elle est nickel. Nickel chrome. Très joli tempo, Hot Wheels. Et voici pour ce modèle. Ensuite, encore un petit véhicule. Petit Renault Kangoo de la Poste. Celui-ci, j'ai l'impression de l'avoir déjà présenté dans une vidéo précédente. Où est-ce que j'ai mis nos rêves? Ah oui, celui-ci me dit quelque chose. Très joli modèle toujours. Et voici pour ce petit Norev. Et nous allons rester chez Norev avec un deuxième Kangoo 2003, mais de chez Darty. Premier service après-vente de France. Avec son petit ouvrant à l'arrière. Qui est en parfait état aussi. Très joli tempo sur le pavillon et sur le toit et le capot. Et voici pour ce joli modèle. Ensuite, une petite majorette Osmobile. Qui est complète, qui a son attache remorque. Ensuite, un petit camion petit Renault, ça, de chez Majorette. Il y a tellement de sortes différentes. Mais c'est un modèle que j'ai déjà, mais pas dans cette teinte. Et voici pour ce modèle. Ensuite, un petit majorette Econoline, un Ford Econoline. Pareil, il y manque la moitié de la galerie. Il devait sûrement y avoir une échelle de toit, puisqu'on voit toutes les petites parties sur le côté là. Et voici pour ce petit van, avec ses portes à l'arrière. Mais il y manque par contre l'attache remorque. Ensuite, encore une petite remorque majorette, numéro 312. Portait peut-être un hélicoptère, elle aussi. Ça le ferait bien si j'arrive à trouver un petit camion. Toujours chez Majorette, une petite BM M3 avec ses ouvrants. On voit très bien l'intérieur et pourtant les carreaux sont sales. Et voici pour ce joli petit modèle aussi. Ensuite, un petit Land Rover de la NASA. Qui est complet avec sa porte à l'arrière. Je ne sais pas si c'est un modèle que j'ai déjà, celui-ci. Hop.
Ensuite, une petite ambulance, aucune marque. Un petit van. Hop, et nous allons finir par une petite Willy, petite Formule 1. Avec son pilote. Il lui manque l'aileron sur celle-ci. Petite majorette. Et une petite dernière, encore une petite majorette. Et elle a son aileron aussi. Et voici pour cette vidéo. Bon, bah, les amis, on fera l'ouverture en deuxième partie du sac. Mais d'après ce que je vois à travers, il y a de très très belles choses. Bon, je vous dis pour la deuxième partie.